Et salut à tous, c'est Stolgren, on se retrouve pour un hors-sujet volume 8. Alors c'est pour un manga sur Netflix qui s'appelle Kengan Ashura, donc grosse surprise. Alors ce qui peut s'avérer au début être un manga très classique, va s'avérer être un manga tonitruant. Alors autant au niveau des personnages, des combats et de la mise en place de l'intrigue, tout semble très prometteur. Alors au niveau du synopsis, donc ça tourne autour des combats Kengan. Alors les combats Kengan, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait c'est des multinationales qui envoient leurs propres combattants dans des tournois. Donc, dans ce manga il y a pas mal de références, donc par exemple la référence à Nintendo. Donc chaque combattant a aussi sa propre personnalité, sa propre histoire. D'ailleurs celle de Nintendo c'est un Népalais, donc il y a un très bon combattant dans son village mais qui se fait happer par le style de vie occidental. Donc au niveau du style de combat, donc c'est souvent inspiré du MMA, mais on sent aussi que c'est pas mal inspiré du monde des mangas. Il y a même parfois un petit côté surnaturel dans les combats. Donc en termes de référence aussi, j'ai pu noter Street Fighter et Tekken. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc le manga est quand même très très violent, à réserver à un public averti. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je pense que là on tient vraiment un futur manga à succès. Bon, j'espère que ce sujet vous aura plu, je vous dis à très bientôt et bonne journée.